Mesdames et messieurs, parents et amis, distingués invités, je voudrais au nom des familles Tonsou et Achokwi, au nom du papa et de la maman de Cyril Sissi, vous dire merci. Merci parce que vous êtes venus partager ce repas avec nous. Aujourd'hui n'est pas un diplômé d'État qui veut. Aujourd'hui, nous avons parmi nous un ami, un fils, qui a décroché un très gros diplôme d'État, et c'est pour cela que nous sommes là pour partager ce repas. Je vous prie d'accueillir, comme vous savez si bien le faire ici chez nous, la famille joyeuse. Merci de vous asseoir. En effet, votre fils, votre ami Cyril Tonsou, que nous appelons affectueusement Sissi, a décroché un très gros diplôme d'État. Il s'agit du certificat d'études primaires. On va l'applaudir. Voici des années que votre fils, votre frère, votre ami Cyril, alias Sissi, que vous appelez affectueusement Sissi, court après ce diplôme. Mais grâce au monde de nos ancêtres et grâce à vos diverses bénédictions, Sissi a un très gros diplôme d'État aujourd'hui. Quel va être le point ? Je voudrais, mesdames et messieurs, honorables invités, vous présenter très rapidement le programme. Il y aura quelques interventions tout à l'heure. Il y aura, bien entendu, le buffet, le repas pour lequel nous sommes invités ici. Mais la cerise sur le gâteau, vous le savez, Sissi a été privé pendant des années de certaines activités, de certains loisirs. Aujourd'hui, ses parents vont l'autoriser à aller dans ce sens. À faire comme eux. Il y aura aussi la remise de cadeaux. Apprêtez-vous à suivre un moment vraiment de rêve. Voici le tout premier discours qui sera lu par le représentant de la famille Tonsou en la personne de M. Dangbe que j'invite à ce micro. Mesdames et messieurs,
Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, soyez les bienvenus. Grande est ma joie ce soir en cette occasion solennelle. Je dois avouer que l'accouchement n'a pas été facile. Mon fils, tu seras ministre de l'Environnement. Pourquoi pas? Parce que je fais partie aussi de l'environnement. Merci beaucoup et rendons grâce à Dieu. Félicitations, Sissi. Tu es brave. Merci. Merci. Vive la France. Oui, il y a de cela 11 ans que nous tous attendons ce diplôme. Les mots me manquent pour extasier un tant soit peu mon admiration à l'endroit de cet heureux du jour. Sans trop monopoliser, je vous souhaite une fois encore les bienvenus. Vive la réussite de notre cher ami Sissi. Je vous remercie. C'est vrai, Sissi s'est imposé des privations pendant ses études. Il ne pouvait pas aller en boîte de nuit. Il ne pouvait pas sortir les filles, il ne pouvait pas boire de l'alcool, il ne pouvait pas fumer. Mais aujourd'hui, c'est terminé, il est diplômé. Et un ami de la famille l'a suivi pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, M. Constantin a décidé de nous dire un mot. Voici l'ami de la famille. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Mesdames et messieurs, après avoir rendu grâce à Dieu, nous avons l'opportunité d'écouter à présent la première autorité politico-administrative de ce quartier. Je voudrais inviter le délégué Hervé à prendre la parole. Quelque part dans le livre Saint, il est écrit que 1000 ans devant Dieu sont comme une petite journée. Qu'il vous souvienne qu'il a démarré ce pèlerinage scolaire depuis 1996. Cela ne veut pas dire que notre émérite enfant, émérite Sissi, est un taré imbattable. Je vais noter que c'est la première fois depuis que je suis autorité de ce quartier qu'un enfant a décroché son CEP après 11 ans d'études au CM2. Disons plutôt qu'il a voulu faire de sa réussite un événement exceptionnel. Reconnaissons-le. L'heure de Dieu est la meilleure, dit-on. Mais c'est un exploit que Sissi vient de réaliser. Car pendant que tout le monde parle de fort taux de réussite, Sissi a toujours échoué. Quand on a parlé d'examen très facile, Sissi a encore échoué. L'année où on a parlé de réussite à 100%, Sissi a échoué. Et aujourd'hui où on parle de résultats catastrophiques, Sissi a réussi. Cela témoigne donc de l'excentricité, de l'excellence de l'élève Sissi. Nous devons le louer. Sissi, royer. Sissi, royer. Oh, Sissi, royer. Gavia flou flou, va oui. Amandiawa. Miroualon, y'a vienne.
Madi. Mejela meku abo. Oh! Meku da wa dije. Oh! Era chemi. Oh! Do kolo komito. Le mi wa fi gbon yo. Mi leye mi na ko e fi faji. Ko na mo ko da pe. Oh! Eri esisi do. Wi lo mo ku do suru. Oh! Era chenwe. Do apili ko de mea. Ko de wa ye yo. Ngwa fi ba do sisi ko we. Bon, ne gonne pas le dire. C'est bien au gars, il y a beaucoup de dire. Cette fois-ci, vous avez un soir, mais bon, on a pris quelques délais. Mais quand il y a un mot de la mer, et dit, si c'est la tienne, à de Wianoui. I hope that de Wianoui, la vieille. I hope that de Wianoui, sans avoir de nous, vous m'avez dit, pas ça. Bon, I dit, mon lord, I do go to here. And I, and I don't know, you come like Dotola. Ana yi gaga Sisi Ari Ana yi diplôme gaga le maire du président de la République le tout ma vie Ari Ana du président o yayi le tout ma vie Abi le maire du yayi o Ana du président o nwene sokolo nwa do mo Abi Ana du changement. Changez-moi de la tonne. De la tonne, changez-moi. N'a t'es pas loué de nous. Mais si ben do jagolo a di vi wa no so da ton iso le mi mama si we are in jagolo vi bo ka di so da to iso si o ho e so de to su si we are in jagolo o so da to e si to so e o me po kwe do lo ka gon ka me bo bon go me Mais wa me diro ku to bodo nu kon lo diplome we wedo se pe ya iboni wenu ton e ma inu boyo mo e se pe ya iboni wenu ton e ma inu boyo mo e wedo apesin e ve mo guyo bodo e we wedo apesin mu abodo gbe ton e e ka su donu ku me we ye no igba bono igba ton Lo kuno pe o mo bo gbe kai tenenge bo atiro ko mele pe to we C'était donc le chantre de la musique traditionnelle Misigbe. Mesdames et messieurs, distingués invités, pendant des années, ce monsieur a mis la main à la poche pour assurer l'éducation de son enfant sur le plan scolaire. Aujourd'hui, il a remis la main à la poche pour nous offrir ce géant buffet pour fêter l'obtention du diplôme, du plus grand diplôme pour accéder au collège, le CEPE, de son enfant Sissi. L'honneur me choisit à présent d'inviter solennellement M. Tonsou Sissito pour son allocution. Merci beaucoup d'être ici présent. Chers sœurs, chers frères et chers invités à manger, aujourd'hui, virgule, j'ai cœur, j'ai contente que mon fils soit parmi les diplômés d'État. Point. Si, mon fils unique est reconnu par l'État. Virgule. Si on compte aujourd'hui les diplômés du Bénin, mon fils est dedans. Point. C'est pour cela que j'ai fait cette fête. Mangez-vous, buvez-vous. Merci, merci également. Maintenant, les amis, les âmes,
Maintenant, les fonds disent souvent, à chaque moment, que filer sous tout roi et tout. Filer sous ta roi et n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma capacité, mon fils Sissi. Pour fabriquer l'homme, il y a toujours un usine mâle et femelle qui a fabriqué un homme. Je ne suis pas seul. La famille de Sissi, sa maman, si tu as quelque chose à dire, alors on est dans nos futurs. Sissi, adéouyanoumi. Eh, il n'a pas dit que tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un peu de temps. Tu es un A sera dit le quoi le tour, hein? Viens là, on te fait ton loué. 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 A plus quoi boire de ton loué. Cyril! C'est rien! Non! Mon fils! Je ne plais pas! C'est une motion! La fille qui est à ma droite, lève-toi. Si, lève-toi. Tu as mérité, tu mérites d'être récompensé. Parce que tu m'as déhonni. Merci pas. Parmi les gens qui sont des quartiers, tu m'as déhonni. Tu m'as. J'ai joué aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as droit de marier. Tu as droit de faire ci, tout ce que tu voudras. Merci, papa. Aujourd'hui, je suis ton père. Il est joué. Il y a ta vitoué. Assez dit. Il ne souhaite d'assimiler Benson. Elle s'appelle Grâce. On se dans le menoué. Mais là, tu as Coureme, hein? Azone, hein? Mais tu vas miner! Merci,
à cause de lui que mon fils Sissi a été reçu. C'est ça. Maintenant, Sissi, pourquoi qui est triste? Faut pas voir la princesse. Aujourd'hui, c'est la fête. Hein, voici son directeur, il est là. Tu vois que tu as la chance que le bientôt tu étais là. Lève-toi. Aujourd'hui, je vais te montrer que... Ah, Jeffy. Prends un. Bon. Au nom doyen fumé, je sais que tu fumes ça en cachette. Aujourd'hui, regarde-moi ici dans un jeu. Aujourd'hui, mon fils, tu es libre de fumer en fragant des riz. Fume. Allez. Ce repas ô combien succulent qui nous est offert par le couple Tonsou. Mesdames et messieurs, l'invité surprise va réagir maintenant. On va écouter la réaction de l'invité surprise, le directeur, Éléphant Mouillé. Merci les amis. Je remercie beaucoup les invités ici ce soir. Et je remercie aussi la famille Tonsou. Oui. Et je remercie également M. Sissito. Oui. Parce que
C'est un homme qui a fait beaucoup d'efforts pour que son enfant devienne un enfant intellectuel. Je te remercie beaucoup parce que tu as effectué beaucoup de l'argent. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Mais au nom de Dieu, un jour, tu auras ce que tu veux. Parce que si je suis ici ce soir, lorsque tu m'avais envoyé de la carte d'invité, je ne savais pas. Si c'est à cause de votre enfant que vous avez organisé cette fête, sinon on a pas fia. Est-ce que vous voyez? Sincèrement, ça m'a tellement touché. Et si. Mais si. Monsieur Tonsou, je te parle. tu es sûr que tu es admis? Hein? Tu es sûr? Je suis admis. Tu es sûr de toi? Hein? Viens ici. Viens. Viens ici. Je vais te poser 3 bonnes questions et tu vas me répondre. Devant tes parents, tes amis, le verbe aller est de quel groupe? Ne dis pas le moment. Mais j'ai posé une question, réponds-moi. C'est clair et net. Comment se fait-il qu'on va trouver verbe aller dans une groupe? C'est faux. Si verbe aller, il a un groupe, ou bien il a un troupe là, et verbe revient là, ça va rester quel groupe? Attends. Ça veut dire que le verbe aller n'a pas un groupe? Non, il n'a pas un groupe. Et le verbe revient là, aussi n'a pas un groupe. C'est clair et net, directeur. Bon. Quelle est la superficie du Bénin? Directeur, nous avons posé. Nous avons dit, Est-ce que tu as bien compris ma question? Quelle est la superficie du Bénin? Vous voyez, et monsieur Tonsou, la dernière question, où se trouve la plus haute montagne du Bénin? C'est où? En tout cas, ça se trouve à Dja, point. Ça se trouve où? Adja, Moudo, donne-nous Moudi. C'est fini? C'est tout ce que tu as dit? C'est fini? C'est ta réponse ça? Est-ce que c'est ta réponse ça? Elle a coupé vos Bon, comment. Non, réponds-moi, comment tu es admis? N'est-ce pas dingue? J'ai posé une question. En tout cas, CEP là, ce n'est pas facile. Hein. C'est plus difficile que Bac. Hein. Il ne faut pas comparer CEP avec ceux-là, Bac. CEP, ce n'est pas n'importe qui passe. Hein. Comment se fait-il que... Comment? Réponds à ton père. Tu as passé comment? Mais tu félicites là. D'ailleurs, douane de Dessinville, Agathe. Mais nous disons, nous parlons au poids. On ne t'assoit sur même pas. Bon, tu as vu à l'école, là. On commence à féliciter, on va bien avoir direct. Bon, il nous comprend, là, on va mettre un gars. Parle au poids, mais tu j'en voulais jamais, moi. Casson, et nous disons, à gauche, mais nous disons, à droite, nous. Maintenant, nous disons, à droite, nous. Féliciter, bon, Agathe, non, à gauche, nous. Et toi, tu restes au milieu. Tu es au milieu. Bon, donc tu es à l'école, mais on félicite à toi. On commence à me dire, Agathe, on va à Dieu. Tu es là, nous comptons. On va féliciter, on va à Dieu. Et alors que tu es au milieu, c'est clair et net. Mais est-ce que toi-même, tu es parti là-bas vérifier si tu es passé? Agathe est admis. Tu es là, nous autres là aussi admis. C'est sûr que je suis admis. Donc c'est pour cela que tu n'as pas été là-bas. Pour demander en tout cas directeur, je suis admis. Bon, monsieur Tonsou,
S'il vous plaît, monsieur, venez, venez. Hein? Adia. Dis-moi. Cyril. Jamais. Il était jaloux. Quoi? De qui moi? Est jaloux? Moi? Eh, hey, monsieur Tonsou, si je suis ici maintenant... Monsieur Eblo, Eblo... Eh, tais-toi! Eblo, nous viens, maman, Eblo, nous viens, le classe, moi bien. Quoi? Tu étais le contre nous. Quoi? S'il vous plaît, monsieur, je suis envoyé par le ministère de l'Enseignement. Pourquoi? C'est eux qui m'ont chargé de vous dire que votre enfant, nous sommes fatigués de lui. Premièrement, de mon fils. Oui, premièrement, il est pagaïen. Il est pagaïen. Il moi? Fume. Qu'est-ce que tu dis? N'a pas battu mes noms, dit. Et non, fait d'eau. Et non, fait école aussi d'eau. Donc, il a 48 heures de quitter au Bénin, sinon, il va contaminer les autres enfants. Je suis admis, non? Qui est admis? Toi? Tu es admis. Donc, ça là, c'est ses affaires. Affaire ton level aussi. Il est non fan de Bruno Badmoun, il est level aussi. On a trouvé ça dans une chambre à l'établissement. Si, si. Sincèrement, je suis désolé pour vous. Hein. Si, si. Je suis désolé pour vous. Avec tout ce que l'argent que tu as. Bon, écoutez, mais elle vient. Si, hein. Si. C'est fini pour moi. Tu m'as mordu. C'est fini. Je veux partir. Hein. À 48 heures. Bon, la gosse, toi, mais si vous m'avez mal au tac, baba, m'a donné à nous, mais voilà. Il a 48 heures de quitter au Bénin pour la gosse, Bénin. C'est fini? Voilà. Voilà. Il y a quoi? Il y a comment tu vas tout gâter? Ah, nous, il est bon, je te dis, maintenant, tu veux me frapper? Laisse-moi!
laissez-moi. Yeah.